Le pasteur Denis Lessie, à l'annonce du décès de Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo Tounassi, nous a dit ici sur les réseaux sociaux que la dame serait décédée des suites d'une opération BBL qui a échoué. Une opération BBL, c'est l'opération qui consiste aujourd'hui de refaire les seins ou les fesses. C'est une accusation suffisamment grave. Comment peut-on avoir le courage de tirer sur une personne qui est déjà à terre? Comment peut-on avoir le courage de tirer sur une ambulance? Le pasteur Marcelo a pleuré. Le pasteur a perdu sa femme. Et un collègue pasteur l'accuse et dit que sa femme serait décédée d'une opération BBL qui a échoué. Compte tenu de la pression médiatique, il a fini par présenter des excuses dans cette matinée. Mais finalement, quel exemple le pasteur Denis Lessie donne au corps du Christ, un pasteur qui se comporte ainsi? Dieu nous a dit dans sa parole qu'on reconnaîtra ses enfants à travers leur comportement. Je n'en dirai pas plus. Mais ce que je veux que les gens retiennent dans ces histoires, suivons Dieu, mais ne suivons pas les hommes de Dieu. Suivons Dieu, mais ne suivons pas les hommes de Dieu. Et pour suivre Dieu, la parole de Dieu est disponible, soit dans la Bible, dans le Coran. Que Dieu nous accorde la sagesse. C'est dommage qu'un pasteur disent autant de bêtises, puis quelques jours reviennent sur les réseaux, ravaler ses vomissures. C'est dommage. Du courage au pasteur Marcelo Tounassi, puisse Dieu le fortifier, puisse Dieu le restaurer. C'est difficile de perdre la femme avec qui on a partagé 18 ans de vie conjugale. C'est très dur.